Bom dia. C'est le jour de la découverte du quartier dans lequel nous allons passer une dizaine de jours. Donc toujours à Salreille, mais cette fois-ci vraiment face à la mer. Donc pour les deux premiers jours, on avait pris un hôtel, comme je vous le disais. Et pour le reste de notre séjour, on a décidé de se prendre un Airbnb pour être vraiment un petit peu comme chez nous, pouvoir prendre nos repères, pour être à l'aise et se sentir libre. Donc c'est vraiment magnifique hein, dans les environs. Et tout ça, c'est des logements qui sont alloués. Donc il y a des Airbnb, il y a aussi des hôtels, mais tout ça, c'est pour les touristes. Et sur la droite, il y a encore des constructions. Donc encore des logements qui vont émerger. Comme je vous disais, c'est vraiment en plein développement. Donc c'est très courant de voir des chantiers quand on séjourne à Salreille. Bienvenue dans notre charmant Airbnb. Évidemment, je suis obligée de baptiser les lieux. Une petite séance de yoga en bonne et due forme pour bien commencer la journée. Alors, vous allez voir par la suite l'intérieur du logement, mais c'est un logement de pièces qu'on a pris pour toutes les deux, qui est vraiment très bien au niveau de la taille, au niveau de l'emplacement aussi. On est à 2 minutes à pied de la plage. Et c'est vraiment un logement très agréable. On a une terrasse extérieure où on pouvait manger. J'ai de l'espace pour faire mon yoga tranquille. On a un espace pour se reposer. Donc il est vraiment très bien, pris sur Airbnb. Si jamais vous cherchez des logements pour le Cap-Vert, pour Boa Vista, je vous recommande vraiment d'aller regarder sur Airbnb. Vous trouvez des choses très intéressantes. Et j'en profite pour vous faire profiter d'une réduction. Si jamais c'est votre première inscription sur Airbnb, vous pouvez avoir moins 25 euros sur votre séjour. Donc c'est plutôt sympa. Surtout qu'à Boa Vista, généralement entre 25 et 30 euros, vous avez quelque chose de très bien, de très convenable. Donc le lien est en barre d'infos si jamais vous voulez en profiter. L'un des gros avantages à prendre un Airbnb, c'est de pouvoir se faire servir un jus d'orange fraîchement pressé par son ami après sa petite séance de yoga et d'apprécier ça face à la mer, le paradis. Il y a beaucoup de soleil ici. Vous voyez l'état de mon nez? Je pèle. C'est toujours comme ça.
Si vous êtes intéressé par ce logement en particulier, c'est vraiment un complexe où il y a plusieurs logements. Ça s'appelle le Ca Greta pour le trouver sur le Airbnb. Je peux vraiment vous le recommander parce qu'on y était vraiment très bien, c'est sécurisé, les voisins aux alentours sont plutôt sympas parce qu'il y a quand même des personnes qui vivent, on va dire à l'année, dedans quand même. Et le reste, c'est des Airbnb. Bon, on fait la visite rapide, hein, je me suis pas attardée, j'ai fait ça vite fait parce que voilà, ça reste un logement. Tout ce qui nous importait, c'est d'avoir une cuisine, qu'on puisse se cuisiner des choses nous-mêmes, d'avoir une chambre et une salle de bain qui soit convenable, et c'est vraiment le cas. Donc c'est assez simple, c'est pas énorme, mais ça suffisait amplement. Notre but, c'était pas de rester enfermé à la maison, c'était vraiment pour manger le soir et le matin se préparer des bons petits déj. Et c'était parfait. Maintenant qu'on est confortablement installé, on va pouvoir s'imprégner de la ville, vraiment aller à la découverte des lieux, à l'inconnu. C'est ce qu'on faisait tous les jours, on découvrait des nouveaux endroits et je trouve que c'est vraiment charmant. Et quand on est à un hôtel, c'est un côté très touristique, très je m'enferme et je veux pas trop être en contact avec les gens. Je sais pas, moi ça me convient plus les hôtels, donc c'est pour ça qu'on a vraiment privilégié les Airbnb. Voilà une petite séquence où on prépare le petit déj, il me semble. Là, je faisais de la tisane et c'était un moment de délire vraiment très sympa. C'est pour ça que je recommande les Airbnb. Si vous partez entre amis, en couple, il n'y a rien de mieux. Ah, mais est-ce qu'il y a même une passoire ? Une passoire ? Je pense pas. Va-t-on demander ? Ouais, je vais faire. On a une nappe, on a une nappe. Si on veut faire un pique-nique, sur la plage. Ah, j'avoue. Oh là là. Oh, je mets des Dorine a mis la banane dans la poubelle. Ça sent. T'as inventé une vieille odeur là. Déjà, vous avez un très bon. Quoi ? D'ailleurs, mais oui, faut qu'on se cache. C'est pour le blog, je le connais. Je te mettrai des fleurs. Ouais. Trêve de plaisanterie et d'extravagance. Voilà ce que ça donne un petit déjeuner préparé par nos soins. Donc tous les matins, on allait chercher du pain à la boulangerie. On adorait faire ça. Ça nous prenait à peu près 3 heures parce qu'on se baladait, on découvrait des nouveaux endroits, on parlait avec des personnes. C'était formidable. Et du coup, on se préparait plutôt un brunch. Ça, c'est plutôt un brunch vu l'heure à laquelle on le mangeait. Et c'était vraiment un kiff.
Tu vois, à l'hôtel, t'es obligé de manger telle chose jusqu'à telle heure. C'est toujours très réglementé. Donc, c'est ce que permet le Airbnb, le fait d'avoir un logement, d'être comme chez soi, mais en vacances. Je vous le recommande. Je vais pas le dire pendant tout le vlog. Hein. Je pense que ça se comprend. Là, on a compris, ça y dit. Prenez un Airbnb. Et sinon, à part les logements Airbnb, pourquoi ça vaut trop le coup de venir au Cap-Vert ? Pour le soleil. Ici, ça fait partie des endroits où il y a toute l'année du soleil, plus ou moins. On a des petits moments de fraîcheur, mais il fait beau tout le temps ici. Donc c'est vraiment quelque chose d'agréable et d'appréciable. Ça fait aussi partie des endroits où il n'est pas dangereux de se balader toute seule en tant que fille. À deux ou seul, c'est pas vraiment dangereux. Je sais pas pour les autres îles, mais en tout cas sur Boa Vista, c'est assez sécure. Et en l'occurrence à Salrei, parce qu'apparemment il y a des endroits qu'il vaut mieux éviter. Mais en tout cas sur Salrei, on peut se balader sans souci, sans se faire embêter. Et c'est quelque chose d'assez rassurant et c'est super pour découvrir des endroits. Là, je sais pas trop où je suis. Je me balade un petit peu à l'inconnu, en fait je cherchais un gâteau, je cherchais une part de gâteau à manger, j'avais envie de manger un gâteau et je n'ai pas trouvé. On est dimanche et la boutique où on a l'habitude d'acheter des super bons gâteaux, elle est fermée aujourd'hui. Donc ici le dimanche, la plupart des restaurants sont fermés. Donc voilà, j'ai quand même tenté le coup, mais il n'y a pas. Donc ça va être Playa. Je vais aller à la plage. Non mais s'il vous plaît, ce genre de vie quoi, je m'y attendais même pas, ils ont débarqué. Non, en vérité, je voulais trop lui demander de monter aussi pour faire des photos et c'est trop mon rêve sur la plage en plus, le must. Et voilà, ici s'achève le troisième vlog, j'espère que vous aurez apprécié. Promis, dans le prochain, je vous parle de la nourriture, mais il n'y a rien d'extraordinaire à dire dessus, c'est même plutôt décevant. Et je vous emmène au marché avec nous. Gros bisous. Tu veux des petits... Rose, un peu rose. Ouais. Dis des choux. T'en veux combien ? Juste deux, parce que je sais pas si c'est trop acide. Ouais, tu vas essayer.